Bonjour, je suis Fabrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le français. Mais je suis également ici pour vous aider à améliorer votre français et vous faire découvrir la culture de la France. À la fin de ma vidéo, encore une fois, vous aurez une vue ou un aspect culturel. Donc regardez bien ma vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de ceci. Aujourd'hui, quelque chose de particulier. Vous arrivez en vacances en France et vous voilà confronté à un problème typiquement français. Vous devez donner un pourboire. Mais alors, à qui est-ce que je dois donner? Comment est-ce que je dois donner ce pourboire? Et surtout, combien faut-il donner? Grave problème. Non, je vais vous aider. En fait, les Français, je pense, sont connus à travers le monde pour être peut-être un peu radins. Mais ce n'est pas cela du tout, car en fait, le service en France est toujours compris lorsque l'on va au restaurant. C'est marqué sur l'addition, service compris. Donc en France, il est rare de donner vraiment un pourboire. Et lorsque nous allons à l'étranger, nous réfléchissons à ceci et nous pensons que c'est la même chose à l'étranger. Mais pas forcément, bien sûr. Alors bien sûr, donner un pourboire, je pense que c'est pareil à travers tous les pays dans le monde. C'est pour un service rendu, un service de qualité et qui vous a plu. Donc, on peut donner en France, c'est facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, on donne quelques pièces de monnaie. Et on les pose tout simplement sur la table. Ou alors, on les donne en main propre, c'est-à-dire de la main à la main. Jusqu'à présent, il est également possible de payer par carte bancaire lorsque l'on règle sa facture. On donne le pourboire en carte bancaire et l'État va maintenant défiscaliser les pourboires que l'on donne aux serveurs. Car jusqu'à présent, eh bien, les serveurs payaient un impôt sur le pourboire qu'ils recevaient. Je trouve cela un petit peu abusif quand même. À qui doit-on donner ? Eh bien, vous vous promenez avec un guide et vous donnez tout simplement le pourboire à votre guide touristique car vous êtes content de ce qu'il vous a montré. Vous êtes à l'hôtel, eh bien, vous donnez à votre femme de chambre car elle vous a ouvert votre lit, elle a bien nettoyé votre chambre, vous donnez au bagagiste car il a porté vos bagages, vous allez dans un bar, vous allez dans un restaurant, vous allez dans un café ou dans un salon de thé, eh bien vous donnez au serveur ou à la serveuse. Maintenant, vous pouvez également donner à votre chauffeur de taxi s'il a évité de gros embouteillages, s'il vous a amené rapidement au lieu où vous désiriez aller. Et nous, Français, nous donnons également, lorsque nous allons chez le coiffeur, nous donnons également au réparateur lorsqu'il vient réparer quelque chose qui est en panne chez nous. Et nous donnons également au livreur lorsqu'il nous apporte quelque chose à la maison. Il existe également une catégorie de personnes qui s'appelle les dames pipi. C'est-à-dire, ce sont des dames qui travaillent dans les toilettes publiques. Et donc, elles aiment bien également recevoir un petit pourboire pour le travail qu'elles y effectuent. Donc, donner est facultatif. Mais bien sûr, je crois que quel que soit le pays au monde, on est toujours content de recevoir un pourboire. Ça prouve que le travail a été bien fait. Je vous laisse aujourd'hui là-dessus. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez mes vidéos, abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas que j'ai une playlist avec de la grammaire. Et je vous laisse sur le petit fait culturel. Aujourd'hui, je vous laisse avec des crêpes. Eh bien, j'espère que vous allez adorer la pile de crêpes que j'ai préparée pour vous. Nul besoin de me laisser un pourboire. En revanche, eh bien, likez ma vidéo, ce sera mon pourboire. Non, ça voudra dire que vous avez aimé. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.